Mais apparemment, elle a des vergetures et tout. Quoi? Mais... Ah, vous êtes sale, madame, hein? Bonsoir, Bah écoutez, c'est ce qu'on bonsoir m'a monsieur. dit, mais je préfère prévenir, pas que les gens veuillent niquer avec. Mais... Bonjour! D'accord. Ouais, mais elle a des vergetures. Bah ouais, mais écoutez, il y en a qui aiment bien le pâté en croûte, Ah non! hein. C'est pas toi, j'espère! Ah non, 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 non. Dégueulasse! Le gars, il fait du bruit, il attire tous les ministres. J'ai eu des Putain, toilettes. Waka. J'ai pêché des toilettes. Mec, t'as pêché un couteau, genre déjà, ça vaut Dé des trucs. déjà, mec, j'ai pêché des toilettes, gros. À quel moment tu pêches Oh, des toilettes? y'a une recrue, y'a une recrue, y'a une recrue, Y'a y'a une une recrue, y'a une recrue! C'est bon, c'est bon, c'est bon, tranquille. C'est bon, c'est bon. Oh, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive! Y'a un mec qui va insulter, c'est moi, elle part. Sors, sors, y'a un Waka, y'a un Waka, sors! C'est bon, c'est bon, c'est bon, me stressez pas! Alors, ça nous fait combien du coup tout ce houblon là? Wouhou! Je suis riche. Fils de... Non! Stop, stop, stop! Gros! Je suis obligé d'aller me soigner maintenant, tu casses les couilles. Bah, j'avoue, j'ai pas de me soigner moi aussi, mais c'était là. Ah mais il me tire dessus! Il a pas d'autorité. En plus il utilise ses balles pour rien, c'est trop marrant. Il s'est pas visé le pauvre. Mec, je fais un twerk à la statue. Je suis caché. Dark Knight. Est-ce que je suis caché? Dark Knight. Une menace a été détectée. J'allais voir là, il est en train de se faire pousser. C'est bon. Qu'est-ce que... Ok. J'ai mangé un steak et puis j'ai roté après. J'étais l'homme le plus RP du monde. Je suis vraiment un enfant. Moi aussi, je voudrais vous parler un petit instant. Est-ce que vous savez si l'agence immobilière est ouverte? Bah j'ai pas eu de nouvelles de l'officier aujourd'hui donc ça se Ah. trouve il sera là peut-être dans la soirée. Je peux pas vous le promettre mais D'accord, donc si jamais là je vois j'ai. l'officier connecté, il faut que j'aille lui... Enfin, lui demander. Bah si vous avez un endroit où je peux venir vous chercher si jamais Ah bah, de toute façon, je pense que je serai vers mon stand ou autre part, mais... Vous restez en ville de toute façon. Oui. Ouais. Bah oui, c'est pas comme si je pouvais sortir, hein. Oui, enfin, vous avez compris, il y a des gens armés avec des tasers et des épées là. Ils sont au blond, Ça blond, au blond, blond, blond. Ils ont leurs cheveux. Ah, Viens, on fait un cache-cache! Viens, on fait un cache-cache dans la cité, gros! Oui. On dirait un enfant. Dis-moi, Mec, j'ai envie de te frapper, Lunder, mec. Hein. Oh, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort! Un secours! Monsieur, il va me taper, un secours! Ils sont malades. T'as de la chance, t'as de la chance, vous t'as de êtes la chance. les amis. Enculé. Qui c'est qui veut vous C'est pas taper? moi. Comment? Qui c'est qui veut vous taper? Ah, c'était mon collègue. Il avait un petit. Enfin, vous savez, des fois, il a des sauts d'humeur et c'est pas. Ah Enfin. oui, l'autre abruti, oui, je vois, pas besoin de préciser. Oui, voilà. Monsieur, moi aussi, c'est un abruti. Quoi? C'est un mauvais bail hein, pour se cacher. Non, on va en prison, sérieux, c'est cool comme idée. On s'enferme dedans, il pourra nous libérer. A few moments later.
sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une cellule en fait. Bah oui, mais d'accord, mais on pourrait pas ressortir, donc pour quoi on aurait fait ça? Bah je me suis enfermé. Mais ils sont enfermés de ce côté. Ah non, vous êtes là. Bon, en vrai, Luander, je reste dedans pour vous ouvrir, puis faites le truc. De toute façon, moi, j'ai des trucs à modérer, j'ai plein de... Puis au moins, comme ça... Go. Comme ça, au moins, je peux vous aider à revenir dedans, parce que... Attends, par contre, je me rappelle plus comment c'est à l'intérieur. Ah oui, la sortie. Ah, la lumière au bout du tunnel. Ça serait bien qu'on se rejoigne tous demain, en fait, parce que... Ouais. Silence, Flow raison. Power, raison du kill, genre escroc modo. Bon. Collègue, c'est qui? Ton identité, s'il te plaît, frère. Ah, ok. C'est bon, c'est un collègue. Pour tout ce qui est commerce et tout, je suis d'accord et tout, mais vous avez aucune idée résistante, rien du tout. Vous en foutez de ce qui se passe en cité, etc. Bah moi mon but c'est un peu d'aider les citoyens, donc justement vu que c'est un peu la crise en nourriture, je me suis dit que ça serait bien de faire des allers-retours comme ça et nourrir la cité à ma façon entre guillemets. Après tout ce qui est résistance et tout ça pour le moment ça m'attire pas trop, vous voyez. Ouais mais faut bien se dire quand même que toutes ces personnes qui crèvent à l'extérieur, qui crèvent à l'intérieur, c'est peut-être pour une cause ou pour une raison. Ouais, c'est sûr. Au final, si à chaque fois on a de la... Ah, allô? Vous avez un petit problème de son? De votre bouche. Raison. D'accord. C'est bon, c'est réglé. Ah, ok. Ouais, je vois un peu ce que vous voulez faire. Je vais pas vous prendre d'argent, je vais être gentil pour cette fois-ci. Par contre, si je vous croise dans un coup fourré du genre vous êtes avec une résistance qui est contre nous, ou vous tirez sur des résistants, ou vous mêlez des histoires qui vous regardent pas, ou vous braquez des gens, je serai dans l'obligation de... Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est habituel. Ici, vous allez en entendre des bruits de tir. On n'est pas des sauvages comme les miliciens, on tue pas gratuitement, mais faut faire attention à vous. Quoi d'autre? Vous devez apprendre certaines règles. En ce moment à l'extérieur, on a plus... Enfin... Plus personne ne se braque, on va dire ça. À cause des hautes instances, si vous voyez ce que je veux dire. Vous laissez repartir. Si vous avez besoin de bouffe ou de medikit ou etc, vous me dites. Non, personne. J'ai entendu. Moi, j'ai besoin d'un medikit. Oh, voilà. Il faudrait... Ah non, mais... Notre ami, il en a un ou pas? Non. Mais il en aura besoin d'un. Mon ami à quoi? Un ami à nous. Enfin, comme je vous l'ai dit, on était trois dans les égouts. Mais si vous voulez, je peux vous payer. Ça m'embête un peu que vous nous donniez des choses. Ouais, ce serait mieux parce que là, je prévois un assaut et ça commence à coûter cher. C'est quoi votre nom? Ah bah, je vais vous donner aussi de l'argent. Mon prénom, il est là. Pire, je vous le donne à vous. Voilà, je vous ai donné 50. Je sais pas du tout combien c'est, mais si c'est... C'est... Vous inquiétez pas, c'est bon, vous avez donné bon prix. D'accord. C'est bon. Vous avez... A few moments later. D'accord. Je vois qu'il y a un petit... Genre un petit passage en dessous de l'eau. Donc si on sait jamais, ça peut être intéressant. Ah oui, je le vois aussi. Bon bah déjà, on sait qu'il y a une base ici. Hein. Ouais. Mais moi, je veux trouver le code, tu vois. Vas-y, essaye. Hein. Il faudrait savoir qui est-ce qui est ici, tu vois, déjà. 1, 2, 3. Ça marche pas. Les gens souvent ils font des formes. Oh non, c'est une blague. Tu l'as eu? C'est quoi? J'ai fait 1, 5, 6, 7, 5, 3. 1, 5, 6. Et après quoi? 7, 5, 3. 7, 5, 3. Ou alors, attends. Non, c'est pas ça. Je me rappelle des... Si? Attends. 1, 5, 6, 7, 5. 1, 5. Ne... Ah, 1, 5, 9, 7, 5, 3. 1, 5, 9. 7, 5, 3. Oh, oui. Viens voir. Jackpot, my god. Oh, mais j'ai coupé. Il y a cadeau. 8 diamants. Il y a des mais trucs de... Tout, hein, je m'en bats les couilles, moi. Mais de ouf. Vas-y, ma faim.
tous les poissons grillés et tout. Le bois. Oh, mais je suis un génie. Mais je t'aime juste. Bah, j'avais pas de bouffe, bah maintenant, non, non. Bah là, ouais, de ouf. Hein. Il y a un gars ouais. Attends. Oh putain. On dit rien. Oh, fais chier. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on se fait un petit footing, histoire de se prendre l'air un peu. D'accord. On vient juste de sortir. Ah, vous venez juste de sortir maintenant? En fait, on a dormi dans les égouts parce qu'il était très tard. On avait peur du danger et tout la nuit, on s'est dit c'est pas prudent. Et on vient de se réveiller à 5 minutes. Voilà. Ok, bon, passez une bonne journée. Hein. Ah, ben bah, merci beaucoup, monsieur. N'hésitez pas, je peux vous fournir des informations. C'est rare. Bah, pas de problème, mais merci beaucoup en tout cas. Juste là-bas, il y a le vendeur d'armes. Ah, bah ça peut être intéressant d'aller faire un tour. Merci. D'accord, bah merci beaucoup monsieur. On va aller voir ça du coup. Bonne journée à vous aussi. Surtout bonne chance, on va faire un assaut là. Pas de problème. Ah c'est bon, il nous a pas braqué. J'ai flippé, hein, j'étais en mode faut pas parler qu'on a trouvé un truc, faut rien dire, on vient de sortir. C'est pour ça, moi, tu sais, j'avais une épée en diable, j'ai de suite pris un steak genre dans les mains en mode non mais tranquille. Hein. J'étais en mode panique, j'étais en mode oh là là. Je vais jeter quelques trucs qui me serviront pas. Hein. Ouais, je vais jeter mon blanc. Putain, il m'a fait peur. Oh merci, oh, merci. Il a donné quoi? Il m'a donné deux feuilles de canard. Ça c'est l'odeur de la liberté, ça. Si vous en roulez. Il a dit c'est l'odeur de la liberté. Je sais pas si je prends. Ouais non je vais pas en prendre. Par contre la pince, pourquoi ils ont mis du jaune à l'intérieur? Une pince, ça peut être intéressant d'en prendre une hein. Ouais, oui. Vas-y, je vais en prendre une et puis voilà. Pourquoi ils nous surveillent, ça me stresse? Oui parce qu'il doit camper ici je pense. Bon, ah, bah bien, bonne journée monsieur. Bonne journée. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'autres idées en fait. Ou alors on trouve une flaque d'eau, genre personne y va, tu sais, dans les flaques d'eau. Bah si, moi j'y vais dans les flaques d'eau. Non, mais toi t'es bizarre. Ouh. Oh là, oh regarde, on dirait une poule. On dirait une poule qui est en train de courir. J'avoue. Énorme. La nature est bien faite. Oui. Alléluia. Voilà. Wow. Okay. Oh oui du coup je peux vous faire. Alors vous voyez ici il y a des barres en plein milieu de la porte. Oui. Ouais. Et là je tape les barres. On se tape des barres. Yes. Merci en tout cas. Hein. Allez, à la prochaine. Bisous. Comment, je peux pas me balader sans avoir de bug son. Je l'ai entendu prendre des dégâts là, je commence à paniquer. Il est tombé dans la lave. Putain quoi mec. Oh j'ai failli mourir. Oh j'ai failli mourir. Non me dites pas. Non. Ça va, tu te sens bien? Non, j'ai sursauté. Ouais. Tu devrais partir. Je suis capable de trouver tous les mots de passe de tout le monde les gars. Bah, mais moi, non. Je connais pas attends, fais attention. Me tapez pas sinon pas je meurs. Pas devant. Ah. C'est bon. Alors... D'accord. C'est pour la déco. Ouais. Ouais. Oh. Quoi? C'était quoi ça? Ça là? Ah mais c'est toi. Oui. J'ai cru que c'était un animal dans le jeu. Je croyais que c'était genre un PNJ qui avait le cancer ou je sais pas trop quoi. J'ai fait what the fuck. Putain. Ah.
Oh bah voilà. Tu m'as fait peur. Tu vois, t'as fait éclore un poulet. Ah bah t'en as fait encore un éclore un. Bah voilà, c'est nos poulets maintenant. C'est nos animaux de compagnie. Ouais. On les appelle qui t'es 4. Yo, petit moment chiant avant de blabla. Là, j'ai eu une bonne idée. Un petit truc un peu sympa pour lier les résistants entre eux. Parce que bon, certains n'ont pas compris le principe de résistance et pense que c'est un PVP faction où les résistants, une fois qu'ils sont dehors, c'est chacun pour sa gueule. Eh bien moi, ce n'est pas mathématique. J'ai tout simplement envie de changer ça. Alors par contre, je vois mon corps, c'est pas ouf. J'ai créé cet endroit, donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel pour le moment. Je pense faire un peu plus de trucs, mais voilà, en gros. Ma résistance, ça s'appelle les rédempteurs. Il y a tout un petit truc, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais il y a un petit truc derrière et tout, mais on vous expliquera en RP si jamais vous nous croisez. En gros, ça c'est un petit refuge, donc si vous voulez lire, allez-y. Mais en gros, voilà, vous pouvez venir librement ici, augmenter la taille de ce refuge, faire ce que vous voulez dedans, du moment que vous le respectez. Par exemple, imaginons que vous ouvrez le coffre, vous dites « Ah, il y a un charbon, je le prends, mais à la place, je mets par exemple 30 steaks ». C'est un exemple, vous voyez. C'est donnant-donnant, entre guillemets. Par exemple, si vous avez pareil des ressources en trop, vous mettez un coffre de plus, vous mettez vos ressources, vous pouvez laisser des messages quelque part ici, genre la radio, tatata, et voilà. Et puis voilà, nous, on sera content de vous parler. Mais voilà, notre but de notre résistance, entre guillemets, c'est pas de faire la guerre aux autres, c'est vraiment de vous aider. Et voilà, donc si vous avez besoin de nourriture, on viendra. Si vous avez besoin d'autre chose, on viendra aussi. Et donc voilà, donc le but c'est vraiment de créer un endroit où les résistants peuvent venir tous ensemble et passer un bon moment, ou bien voilà, aider les autres et ne pas partir sur une thématique de on se fout sur la gueule, on pille tous ceux qu'on croise, voire même on les tue, on pose des mines partout parce que c'est trop drôle, et puis voilà, c'est vraiment un lieu où il faudra qu'on s'amuse et tout ça et qu'on se prenne pas la tête. Et pourquoi pas faire des genres de réunions ici entre résistants, des lieux de rendez-vous justement. Et puis voilà, j'espère que vous comprenez la thématique, mais en tout cas si vous la comprenez pas, je serai ravi de vous répondre en message privé sur Discord ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'était le petit moment chiant de blabla, j'espère avoir fait vite et avoir été clair. Bref, bisous.